Allô, bonjour tout le monde, c'est Yoda5477 de retour pour un nouvel épisode sur une nouvelle série complètement surprise. J'avais absolument pas prévu ça, j'avais prévu d'autres choses et j'ai remplacé par ça. C'est comme ça. Une nouvelle série, qu'est-ce que ça va être? Nous allons suivre ensemble l'évolution de la population humaine dans les prochains siècles à partir d'aujourd'hui. Exactement. Donc la situation. Nous sommes le 1er janvier 2016. Vous voyez, comme indiqué ici, il est minuit minuit. C'est la nouvelle année. Tout le monde vient de fêter la nouvelle année. Ce que vous ignoreriez encore à cette date, c'est que des scientifiques venaient de mettre au point une découverte. Ils attendaient le 31-12 pour l'annoncer au monde, sur des nouveaux matériaux rares découverts sur Terre, qui ont des propriétés quantiques très très spéciales et qui permettent de plier localement l'espace-temps de manière à pouvoir avoir des propriétés de déplacement interstellaire considérablement meilleures que ce qu'on connaissait jusqu'à aujourd'hui. Résultat, eh ben on va lancer une nouvelle mission spatiale et cette fois-ci, au lieu que ce soit les pays qui le fassent individuellement, nous allons. Alors, enfin, il a été créé. Nous allons. Non, ça a été fait, ça. C'est fait. Il a été créé le United Nations Space Alliance, où tous les pays des Nations Unies se sont réunis, ont mis des chercheurs ensemble pour créer une agence qui va permettre le développement interplanétaire de la race humaine, parce qu'on est beaucoup sur la planète et qu'il est temps de changer. Donc le jeu c'est Aurora 4X et il y aura aussi un petit peu de From the Depths. Vous verrez quand on fera des prototypages de vaisseaux. Donc l'écran principal c'est ça. C'est pas très beau, c'est assez moche, il y a des tonnes de boutons, mais vous allez voir, c'est d'une profondeur irréelle. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez le système solaire. Donc l'ensemble de tous les points bleus, là, ce sont des astéroïdes avec leur nom réel, hein. Donc ils ont des noms pas tous très sexy. Donc là, on a la ceinture externe d'astéroïdes du système solaire. Et ensuite, si on commence à zoomer, on se rapproche dans les premières planètes. Donc on a Neptune. Donc les planètes naines sont au milieu des astéroïdes. Hein. Là on a les planètes donc les vraies planètes, les Neptunes, etc. Donc on a les grosses planètes, les géantes gazeuses qui sont ici. Et ensuite, quand on continue de se rapprocher du centre du système, on arrive sur la deuxième ceinture d'astéroïdes. Et ensuite sur les planètes internes, donc qui sont Mars, Mars qui doit être ici, la Terre qui est là, sur laquelle on est évidemment. Vénus et Mercure, qui est la plus proche du Soleil. D'accord? Donc ça, c'est notre système solaire. Donc on verra après qu'on va pouvoir nettoyer un petit peu de manière à ce qu'on voit mieux. Typiquement, voilà, les astéroïdes, je peux les effacer. On va les laisser pour l'instant parce que ça met un peu dans l'ambiance. À savoir qu'autour de toutes les planètes, il y aura également leur lune. Donc si jamais, voilà, si jamais là on va sur Jupiter, vous voyez, vous avez toutes les lunes de Jupiter. Notamment, il y a quoi? Calypso doit être là, il me semble. Voilà, vous avez Europe, Calypso. Alors, si on zoome encore, Thèbes, Io. Voilà, donc c'est Ganymède. Donc c'est les vraies planètes hein, qui ont été faites. Alors après, au niveau des astéroïdes, je suis pas sûr qu'ils aient tout. Enfin, je suis même sûr qu'ils n'ont pas tout mis, mais c'est quand même relativement réaliste. Et notamment, si nous allons sur la Terre, qui se trouve là, et qu'on zoome, on va voir qu'autour de la Terre, il y a la Lune. Voilà. Donc on a tous les corps célestes du système. Pour l'instant, ben, on est sur la Terre, mais vous allez voir qu'on va vite sortir de notre petit monde pour aller explorer l'espace intersidéral. Alors comment ça se passe? Donc on a cet écran ici, qui représente le système solaire pour l'instant. Et ensuite, on en haut un tas de trucs. Donc on va faire de la recherche, etc. Donc les écrans, je vous les introduis, mais rapidement, parce que je ne vais pas passer la vidéo là-dessus. Ça sera la gestion des colonies, avec ici les productions, la recherche, l'argent, qui n'est pas si important que ça, mais qui va être plus important. Les forces au sol, tout ce qui est commandant. Donc vous allez voir, là, c'est l'occasion où on va vous introduire à nouveau dans l'aventure. Donc n'hésitez pas à me poster des commentaires en me disant les postes qui vous intéressent. Tout au long de la vidéo, je vais parler de différents postes. Si un poste vous séduit, mettez-moi un petit commentaire en me disant tiens, j'aimerais bien faire ça. N'hésitez pas à me lancer des idées de propositions que vous voulez faire. Et hop, je vous introduis dans le jeu, il n'y a pas de souci, on peut tout renommer. Ça, ce sera les designs de vaisseaux, la gestion des vaisseaux construits proprement dit, la gestion des flottes ici. Là, on a les task force, donc c'est des choses, c'est des groupes de personnes qui vont faire des choses.
Ici, on a tout ce qui sera chasseurs qui peuvent être embarqués dans les vaisseaux. Là, on a la partie combat. Là, donc ça, c'est le système. La galaxie, puisqu'après, on va pouvoir voyager entre systèmes. Bon, ça, c'est les détails de la race. Ça, c'est la conception de projets de recherche pratique, typiquement pour découvrir de nouveaux... plutôt des mises au point que des découvertes. Mise au point de nouveaux réacteurs, etc. à partir des recherches théoriques. Voilà, là, il y a la gestion des colonies potentielles. Là, il y a la gestion du fuel. Ça, c'est la gestion des réparations. Ça, ça doit être l'économie, il me semble. À la production globale, mais parce qu'il y a la production civile aussi, qu'on va pas gérer nous-mêmes, mais qui sera... voilà. Les technologies. Alors ça, c'est tout ce qui est... quand on regarde les minerais qu'il va y avoir sur différents astres. Voilà. Là, c'est les... comment on appelle ça ? Les groupes commerciaux qui vont nous aider aussi. Là, il y a les différents secteurs. Ça, c'est juste le refresh. Les différents événements. Et l'intelligence. Alors ça, j'ai jamais touché. Il y a encore plein de trucs que j'ai pas touché. Hein. Pour l'instant, je ne suis pas encore sorti du système dans mes premières parties. Mais je veux aussi le découvrir avec vous. Parce que si je fais une partie tout seul, après, ça va me saouler sûrement d'en refaire une avec vous. Donc je me suis dit, voilà, je découvre un petit peu. Il y a un potentiel énorme. C'est absolument génial. Tiens, il y a la comète de Halley ici, vous voyez, qui est en train de se rapprocher. Les petites comètes, elles ont une petite queue qui dit d'où elle vient, en fait. Voilà, donc il y a différentes comètes, il y en a qui partent ici, il y en a qui arrivent. Donc ça va être génial. Je suis super enthousiaste. Et vous allez voir, quand on fera des prototypages de vaisseaux, je vous montrerai des exemples, bah, le vaisseau en fait, un prototype du vaisseau, en vrai, en 3D. Et oui, ça va être comme ça. Donc c'est parti. Donc là, on est 1er janvier, et donc les premières décisions vont devoir être prises, donc notamment en termes de recherche. On va tout de suite s'attaquer à la recherche. Alors, je ne vais pas vous expliquer tous les écrans en détail, c'est pas possible. Enfin, en tout cas, pas en un seul épisode. Donc là, en résumé, ici, on a le nombre de labos de recherche, c'est 20, qui vont générer 20 points de recherche, research points, par an. Voilà. Ici, on a les recherches qu'on peut faire, avec différentes catégories. Et ça, c'est le coût. Par an, enfin, c'est le coût au total. Ici, on a la liste des scientifiques qu'on a, avec leur spécialité et leur bonus. Donc, plus un scientifique a de bonus, plus il produit de points de recherche. Si jamais en plus il fait des points, il étudie dans son domaine, il fait 4 fois son bonus. Donc là, ce serait 40% au lieu de 10 si elle fait de la biologie. Alors biologie génétique, c'est super. Là, j'ai 4 personnes qui font biologie génétique, le truc le moins utile du jeu. Voilà, c'est comme ça. Là, il y a le nombre maximum de laboratoires qu'un chercheur peut avoir en parallèle. C'est assez faible pour tous ces gens. Mais bon, il y aura des nouvelles personnes qui arriveront, c'est pas très grave. Donc là, c'est pas terrible. Donc là, premier projet de recherche qu'on va faire, il n'y a pas le choix, c'est le plus important, c'est les nouveaux matériaux qui ont été découverts. Maintenant, on va prendre les choses sérieusement et on va étudier leurs propriétés de plus en détail pour pouvoir faire plus de choses avec. C'est ça qui va ouvrir la porte à plein de nouvelles recherches. On va mettre Elise dessus, sur le coup, parce que là, 10%, c'est la meilleure qu'on ait. C'est pas son domaine de spécialité, mais j'ai personne qui est en construction-production. Donc on va juste lui mettre le maximum de laboratoire, mais son maximum c'est 10. Ah ouais, alors du coup, est-ce que c'est la bonne personne? Elle a un bonus, d'accord, mais elle peut faire que 10 laboratoires, donc elle va aller deux fois moins vite. Donc on va pas la mettre elle, on va mettre André, avec 20 laboratoires. Pac, hop, voilà, donc on a créé un projet de recherche, les projets de recherche ils sont ici. Donc là, par an, il a 20 laboratoires qui vont faire chacun 200 points de recherche. Du coup, ça va faire 4000 points de recherche en un an. J'en ai besoin de 5000, donc il va finir le 1er avril 2017, dans un an et quelques mois. Voilà, donc vous allez voir le jeu, on va pouvoir faire des sauts de mois par mois, donc ça va aller assez vite. Donc voilà pour la recherche, ça c'est bon. Ensuite, en termes de production, donc là on a le résumé de la planète, pour l'instant on n'a que la planète Terre, avec à peu près 7 milliards et demi de personnes. Statistiques que j'ai regardées sur internet, sur la population 2015. Normalement on est censé commencer avec 500 millions seulement, mais je voulais être plus proche de la réalité. Donc j'ai augmenté la population, mais je suis resté avec le même nombre d'industries et de laboratoires. Donc je pense que ça ne devrait pas être trop déséquilibré. Donc voilà, donc là on a le résumé. Je vous laisse lire les détails, posez-moi des questions, je ne vais pas passer sur tout. Là il y a population, la croissance, c'est le principal. Et là il y a la liste des bâtiments qu'il y a sur la planète, notamment beaucoup d'industries conventionnelles qu'on va devoir transformer en utilisant les nouveaux matériaux. Alors... on va aller du coup sur l'industrie, et là en termes d'industrie on ne peut pas faire grand chose parce qu'on n'a pas encore recherché la technologie sur les nouveaux matériaux. Du coup, on a quand même 1000 de production, ce serait dommage de gâcher. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sûrement se lancer dans une académie militaire pour améliorer notre académie militaire.
Là, on produit 1000 par an, ça va coûter 2400. On va mettre, donc on va créer un projet qui va créer un niveau d'académie militaire et on va mettre 100% de la force de frappe dessus. Ça va créer là, hop, on le voit apparaître ici. Donc on va en créer un, on prend 100% de l'industrie, ça va faire 1000. Du coup, combien de 1000? Ça va finir le 25 mai 2018, dans 2 ans et quelques. Forcément, hein, 2 ans et voilà. On va lancer ça. Si on finit pas, c'est pas très grave. On peut toujours le mettre en stand-by et recommencer plus tard. Donc là, on a ça en construction. Là, j'ai carrément. Normalement, on commence avec une comment on appelle ça? Une plateforme orbitale de construction, mais on n'en a pas aujourd'hui des plateformes orbitales de construction. Du coup, je l'ai enlevée. Je vais être obligé de la fabriquer. On est vraiment réaliste, hein. Là, on a la quantité de minage qu'on va faire. Donc, on a déjà des mines de base qui commencent à miner les différents matériaux. Mais ça mine pas grand-chose pour l'instant. Vous allez voir plus tard, on va devoir améliorer ça grandement. D'ailleurs, ça me paraît. J'ai 100 mines. Ah ouais, non, c'est ça. C'est les 1000 industries conventionnelles qui minent chacun à 10%. Ok, très bien. Donc voilà, on a fait le setup. Premier setup. Je vous montre pas tous les autres onglets parce que on va se perdre. Vous allez trouver ça trop compliqué pour l'instant. On va découvrir ça ensemble tout doucement. Et ce qu'on va faire ici, donc on va se mettre en les minéraux. Là, je vous laisse découvrir la liste des minéraux spécialisés dont on vient de découvrir. L'accessibilité ici, c'est la facilité avec laquelle on peut récupérer ces minerais. Donc là, le duranium, on n'en a que 2 millions. C'est pas mal, mais c'est pas extraordinaire. Il est à 0,9. C'est bien, mais c'est pas non plus 1, ça aurait été mieux, quoi. Voilà. Donc maintenant, comment ça va se passer? On va passer un tour. Donc un tour, on va choisir de combien de temps dure le tour. Je peux faire 5 secondes. Donc là, si je clique ici, hop, ça y est, il y a 5 secondes dans l'univers qui sont passées. Donc il n'y a rien qui a bougé. Les planètes ne bougent que tous les 5 jours. Voilà, c'est une approximation pour ne pas faire des calculs trop compliqués. Donc pendant 5 jours, ils restent stables et après, d'un seul coup, ils bougent comme s'ils avaient bougé de manière continuelle pendant 5 jours. D'un point de vue système planétaire, c'est une approximation relativement correcte. Donc là, 5 secondes, évidemment, il ne se passe rien, sachant que les deux choses qui vont arriver, c'est dans plus d'un an. Donc là, ce qu'on va se faire, c'est qu'on va se mettre en auto-turn. C'est-à-dire qu'il va créer des tours les uns après les autres. Et on va faire des tours de 30 jours. J'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié les commandants. On va aller voir. Donc c'est là que vous allez intervenir en plus. Donc c'est la partie qui va vous intéresser. Donc on est United Nations Space Alliance, comme je disais. Et on va aller voir les officiers civils. Donc il y a plusieurs types d'officiers qu'on va gérer manuellement et d'autres qui vont être gérés en automatique. Les officiers civils, on va les gérer manuellement. Donc ça, en gros, c'est les administrateurs des différentes colonies qu'on aura, différents systèmes. Aujourd'hui, on n'a que la planète Terre, voilà, qui a besoin d'un gouverneur, comme il y a quand même, c'est une grosse planète avec beaucoup d'habitants, il a besoin d'un gouverneur de niveau 5. On n'en a qu'un de gouverneur de niveau 5, en termes de seniorité, c'est Théophile. Théophile Cochon, donc il s'appelle comme ça pour l'instant, mais il n'attend que ce que quelqu'un me dise qu'il veut être gouverneur de la Terre, et le poste est pour vous. Enfin, le nom est pour vous. Et donc là, on va assigner Théophile Cochon en tant que gouverneur de la Terre. Hop, voilà, félicitations. 1er janvier 2016, promotion pour Théophile Cochon. Donc les trois autres, on ne peut rien leur donner parce que pour l'instant, on n'a pas d'autres colonies. Mais plus tard, on aura des colonies sur Mars, sur la Lune, enfin, sur Vénus, pourquoi pas. On va voir en fonction des planètes. Donc voilà, donc ça, c'est le premier. Et la deuxième personne qu'on va mettre, c'est ici, dans la marine spatiale. On va avoir quelque chose ici. Voilà. On a le commandant du quartier général. Notre quartier général des Nations Unies, de l'Alliance spatiale des Nations Unies. On va devoir mettre quelqu'un. Alors, on n'a que deux personnes qu'on puisse mettre. A priori, on a besoin de R3. Donc, niveau 3, c'est ça. Tac. On va mettre. Alors, on a Gaston ici qui a en bonus des bonus aux fighters. Et on a Guillaume qui a des bonus à la relation politique et mining bonus. Les deux sont pas terribles. On va mettre Guillaume parce que. Mining bonus, mais c'est un peu nul. On va le mettre lui, voilà. Hop. Donc, pareil, ça c'est un poste qu'on va faire à la main. Et une fois qu'on crée ce. Voilà, qu'on crée le commandant du quartier général, on a des sous-commandants ici. Et pour ça, on va le faire en automatique. Voilà. Et tous les 2 ans, il y aura un. Comment dire? On jouera les sièges et ils remettront automatiquement. Voilà. Notre cher Guillaume fera son boulot et mettra les meilleures personnes au meilleur poste.
Et ça, on s'en occupera pas. Par contre, la partie civile, c'est nous qui allons nous en occuper manuellement, de manière régulière. Donc voilà, on a mis les différentes personnes. Alors, à savoir que Théophile, là, il est ambitieux. Alors, personable, je pense qu'il est personnel. Donc, il pense qu'à lui. Il ne pense qu'à lui et il est relativement ambitieux. Hein. Donc, assumez, si vous voulez devenir un gouverneur de la Terre, il faut être ambitieux et penser qu'à vous. S'il y a des volontaires, dites-le moi. Alors, on y va. Hop, on ferme cet écran-là. Et donc là, on y va. On va faire des tours de donc 30 jours. C'est à peu près un mois. Ici, ils ont comment dire, fait dit que tous les mois avaient 30 jours en fait. Donc, c'est pas une très grosse approximation. Donc, on est parti. Et vous allez voir en bas. Alors, attendez. Ah oui, j'ai oublié un truc. Dans le display, je veux montrer. Voilà, on va avoir les événements en bas. On va avoir les événements qui s'affichent. On va voir les événements qui s'affichent en bas quand il se passe des choses. Donc c'est parti. Et dès qu'il y aura un événement intéressant, ça va s'arrêter et on pourra interagir. Hop, on fait des mois. Donc là, vous allez voir les as qui bougent. Donc là, il y a les différents commandants qui ont été assignés. Il y a les planètes qui bougent. Voilà, il se passe des choses. Alors là, premier événement, vous voyez. Donc là, il y a un nouvel officier. Ça, c'est des choses qui arrivent sans arrêt. Hein. On va pas s'y intéresser en détail. Par contre, ici, on a un problème de sorium. Le sorium, c'est le composant qui va nous permettre de faire du fuel. On va aller voir tout de suite sur l'écran de minage. On voit que Sorium ici, on en a 1 300 000, mais avec une activité seulement de 0,7. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on en mine 700 tonnes, j'imagine, par an. Malheureusement, on essaie d'en consommer 1000. Alors, pourquoi cette consommation? C'est parce que dans notre écran d'industrie ici, on a dit qu'on voulait faire de la production de fuel. Donc, on convertit le Sorium en fuel. Seulement, bah, on a 1000 industries qui font ça, et du coup, c'est pas assez fort. On n'a pas besoin de fuel aujourd'hui parce qu'en vrai, on a déjà 783 milliers de litres en réserve. C'est bien assez. On va arrêter la production de fuel. Voilà. Donc ça va produire zéro. Et comme ça évitera d'utiliser tout notre thorium. Voilà. Et on remettra ça en route quand on aura un peu plus de production. Donc voilà. On a réglé le problème ici. On est reparti. Ah, je suis content. Ce jeu me fait kiffer. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de choses à voir pour l'instant, mais ça va pas tarder. Vous allez voir, ça va devenir plus en plus complexe au fur et à mesure. Ah, là on s'est arrêté. Donc on est le 1er mai 2017 et là on vient d'avoir une recherche qui a été complétée dans les technologies transneutoniennes avec sur les nouveaux matériaux. Donc on va retourner sur l'écran de recherche. Donc voilà. Donc là notre projet de recherche est fini. On a récupéré nos 20 laboratoires. Et maintenant, vous allez voir, on va pouvoir rechercher beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de choses. Notamment, vous voyez, alors là, je vous montre un peu toutes les catégories. Tac, 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 tac. Voilà, il y a des tonnes de recherches qui sont apparues, qui sont basées sur les nouveaux matériaux. Maintenant qu'on les connaît un peu mieux, on va pouvoir rechercher beaucoup plus de choses. Donc, quel va être notre premier objectif? Premier objectif, c'est qu'il va falloir qu'on aille miner des choses un peu dans le système solaire et qu'on commence à voyager. Pour ce faire, on va essayer de se créer un vaisseau d'exploration. Qui puisse détecter sur l'ensemble des astéroïdes, des planètes alentour, quelles sont les concentrations de minerais. De manière à ce qu'on bah, voilà, à ce qu'on puisse savoir à quel endroit il faut qu'on s'installe. Donc pour ce faire, il va falloir avoir plusieurs choses. Déjà, il va falloir y avoir, en termes de senseurs, le Geological Survey Sensor. Voilà, ça déjà, de base, on en a besoin. Donc là, on a à nouveau un problème, c'est qu'on n'a toujours personne en sensor fire et control. Donc on va mettre Elise toujours. Et on va lui mettre. Alors là, Elise, on va lui mettre. Alors, attendez, comment je vais faire? Non, je ne vais pas mettre Elise du coup. Hein. Non, en fait, c'est ça. Je vais toujours mettre André parce que je vais lui mettre les 20 laboratoires. Voilà. Donc on va. Ah oui, alors attendez, j'ai fait un petit truc. Ouais, bon, c'est pas très grave. On va créer ça. Hop, voilà. On met les 20 laboratoires de recherche. C'est bon. Donc là, a priori, on en a jusqu'au 1er août. Donc là, ça va être beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a besoin que de 1000 et j'en produis 4000. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va laisser le reste comme ça. Les autres, on va pas leur faire chercher pour l'instant. On fera ça par la suite. Déjà, il faut qu'on débloque au moins la possibilité de faire les premiers vaisseaux. Donc ça, c'est bon. En termes d'industrie, on est toujours en train de créer l'Académie militaire. Seulement, alors, ça sera produit dans un an à peu près. Le truc, c'est que là,
je vais avoir besoin de faire autre chose. Vous voyez, maintenant que j'ai découvert un nouveau minerai, j'ai beaucoup plus de possibilités de construction. Et notamment, je vais pouvoir convertir mes industries conventionnelles, donc les CL là, en industries spécialisées dans les nouveaux matériaux. Et c'est ça que je vais vouloir faire. Notamment, je vais vouloir construire, donc Construction Factory, c'est avoir des usines de construction. Donc là, j'ai 1000 usines en tout, construction conventionnelle. Et on va en mettre à peu près 600 en industrie de construction spécialisée. Et pour ce faire, on va utiliser 70% de notre capacité industrielle pour faire ça. Hop, on va créer ce projet. Donc là, pour l'instant, il est en attente parce que tout est pris sur l'académie militaire. Ensuite, on va faire du minage aussi, parce qu'on a vu que là, c'était pas très efficace. Il y a que 10, les trucs conventionnels ne minent qu'à 10% de leur efficacité. Donc on va créer des mines, et cette fois-ci, on va en créer 400, ce qui fait qu'avec 600 et 400, ça fera les 1000 au total qui seront convertis. Et là, on va utiliser 30% du potentiel. Voilà, et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déprioriser ça, tac, et on va le déprioriser en fait beaucoup, pour que ça passe devant. Et comme ça va nous permettre. Ah, attendez, là, d'ailleurs, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer un peu. Les mines, on va pas faire les 400 d'un coup. On va en faire d'abord. On va en faire 100 d'abord. Voilà, on va faire modify, on va en faire 100. Et ensuite, on va en refaire 300. Alors, mine, 300 mines, crête, voilà. Et on va créer un projet avec les 300 mines par la suite. Donc, on va le mettre celui-là après l'académie militaire, qu'on va mettre à 30% aussi. Donc là, je ne sais pas si vous me suivez, je vous résume. Ce qui se passe, c'est que là, ce qui va se passer, c'est qu'il va prendre les deux projets les plus prioritaires. Donc la construction et les mines. Tac, il va utiliser 100% de l'industrie pour faire ça. Quand il aura fini les mines, c'est sûrement ce qui va se finir en premier parce qu'il n'y en a que 100 à faire. Pap, il va utiliser les 30% qui vont se libérer pour finir l'académie militaire. Et quand il aura fini ça, il va utiliser les 30% qui vont à nouveau se libérer pour finir les mines. Voilà. Et par contre, la construction, elle, on va le faire en continu parce que ça va permettre de construire de plus en plus. Là, vous voyez, on a une construction de 1000. Ça va vite augmenter grâce à ça. Donc là, voilà, on est bon. On est bon là-dessus. On a mis à jour ça. On a la construction. A priori, j'ai rien d'autre à faire. On repasse sur les tours. J'espère qu'on va avoir le temps de faire le premier vaisseau. On va voir. Alors, 30 jours, c'est parti. Donc là, il nous a arrêté pour nous dire qu'il avait. Ah ouais, juste pour dire qu'il avait commencé une production. Donc il a commencé la production des mines à 30% de l'industrie et la production des usines à 70%. Ok, c'est bon, on a compris. On est parti. Hop, ça y est, les tours passent. Donc là, vous voyez le temps qui passe. On est le 1er septembre 2017. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, on a fini un projet de recherche. Ah bah oui, c'est comme prévu. On nous avait dit qu'on finirait en août. Bon, donc on a fini fin août. On est début septembre. Donc ça, on a fini projet de recherche sur les détecteurs. Donc ça, c'est très très bien. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Vous allez voir. On va essayer de voir pour créer notre premier vaisseau. Donc on va aller dans cet écran qui va définir les types de vaisseaux. Et là, on va se créer donc un nouveau vaisseau. On va faire New. Voilà. Donc le vaisseau ici, donc le Hull, c'est juste un truc pour nous aider à nous repérer plus tard. Donc, on va appeler ça un Geological Survey Vessel. Voilà, c'est un vaisseau, c'est pas une plateforme. Et on va l'appeler comment? On va l'appeler comment? On va l'appeler le petit curieux. Voilà, petit curieux. N'hésitez pas si vous avez des noms à proposer. Je peux les renommer après. Donc, si vous avez des noms sympas, vous pouvez me proposer des noms aussi. Et si vous me séduisez avec le nom, je renommerai le vaisseau comme ça. Donc ça, c'est un vaisseau qui va aller explorer le système pour repérer où sont les minerais. Donc là, vous voyez, alors là, pareil, hein, l'écran est assez complexe, il y a des trucs dans tous les sens. Vous allez voir, finalement, c'est complexe, mais finalement, c'est pas si complexe. Parce que ici, on a le coût en construction. Voilà, tout ça, c'est des options, on ne va pas utiliser pour l'instant, je vais juste utiliser ça. Ici, on va avoir donc l'écran pour créer notre vaisseau avec les différents composants qu'on peut ajouter. Les composants basiques, c'est pas nous qui les ajoutons. Ils sont ajoutés automatiquement en fonction du temps qu'on veut que le vaisseau puisse vivre dans l'espace sans devoir rentrer à la planète. Et tout le reste ici, c'est ce qu'on peut choisir de mettre. Donc les choses qui seront basiques, c'est le pont, les différents quartiers pour les habitants, tout ce qui est engineering space, c'est les quartiers d'ingénieurs pour les réparations, etc. Le fuel. Et les trucs pour s'amuser un peu pour que comment dire, le staff
pour que l'équipage, pardon, s'ennuie pas trop pendant les mois qui vont passer à l'extérieur. Et là, il n'y a pas de réacteur. Il n'y a aucun moyen de se déplacer dans l'espace. Ben oui, parce que là, on a cherché les matériaux, mais on n'a que des recherches théoriques. Et c'est là que je vous disais qu'on allait devoir rechercher les trucs, des recherches plus pratiques. Donc là, il va falloir qu'on mette au point quelque chose pour se déplacer. On va pouvoir déjà lui mettre le senseur géologique, parce que lui, on sait qu'on a besoin. Par contre, on n'a pas de réacteur, donc on va devoir aller développer un réacteur. Donc ça, ça va être sauvegardé, vous inquiétez pas. On n'aura pas tout recommencé. Et on va aller dans cet écran qui est créer les projets de recherche, pratique, qu'on appelle ça. La recherche théorique et la recherche, j'ai oublié, bref, peu importe. Donc il y a pas mal de catégories, on va aller dans la catégorie engine. Donc en termes de technologie, pour l'instant, on n'a que les engines conventionnels. C'est-à-dire qu'en termes de façon d'utiliser nouveaux matériaux, on va faire un réacteur comme avant, mais en nouveaux matériaux qui va l'optimiser. Mais c'est pas une optimisation formidable non plus. Mais ça quand même ira, vous allez voir, ça va quand même aller vite. Et ensuite, on peut modifier pour les caractéristiques du réacteur. Donc notamment, c'est le ratio entre la puissance et son efficacité, des optimisations de consommation, des optimisations de... Alors, thermal reduction, c'est la visibilité thermique, parce qu'après, sait-on jamais, on va peut-être vouloir être discret. Et là, il y a la taille du moteur. En sachant que plus on est gros, plus on produit de puissance. Mais plus on est gros, moins on peut aller sur les petits vaisseaux. Donc là, le vaisseau, on va pas vouloir faire un trop gros vaisseau. Par contre, quand on est gros, on consomme moins de fuel parce que ça consomme moins de fuel d'avoir un gros réacteur que deux petits, en fait. Donc comment on va faire? Donc déjà, vous allez voir qu'il y a quelque chose entre ce qui est militaire et commerciaux. Là, les vaisseaux commerciaux coûtent beaucoup moins cher à maintenir. Et pour qu'un réacteur soit considéré commercial, il faut qu'il consomme pas trop et qu'il soit assez gros. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc on va lui dire qu'il faut qu'il y ait une power moins 50. Donc déjà ici, on va dire power moins 50. Donc ça fait quoi? C'est-à-dire que la puissance va être réduite par 2 et la consommation va être de 18%. 18%. C'est-à-dire que ça a été réduit de 82%. Donc c'est énorme. Donc là voilà, donc on a un moteur qui est un peu moins puissant, mais qui consomme beaucoup, 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 beaucoup moins. Est-ce qu'elle va nous intéresser? Parce que pour un vaisseau qui va explorer l'espace, on a besoin que, voilà, on n'a pas besoin de faire des petits allers-retours, on veut qu'ils partent longtemps et qu'ils reviennent jamais, quoi. Ou le moins souvent possible. Donc voilà, on va choisir cette sélection, on peut choisir ce qu'on veut. Ça va satisfaire ce critère ici. Et maintenant, il faut que sa taille soit d'au moins 25. Et en fait, dans le moins 25, on peut aller de 1, pour un tout petit moteur, à 50. Et là, 50, vous voyez, en termes de consommation de fuel, on est à moins 50%. Et donc, je vais faire ça. Parce que d'habitude, j'en mets 2 des à 25. Donc, je dis autant en mettre qu'un à 50. Donc, 50, c'est la taille. Alors, ici, la taille, on va mettre en tonnes. Ça veut dire que c'est 2500 tonnes. Ouh, 2500 tonnes. Ouais, 2500 tonnes. 2500 tonnes, mais de toute façon, je pense que ça va être bon. Donc, 2500 tonnes rien que pour le réacteur. Ah, où est-ce que j'en fais 2? Allez, on va en faire 2. On va en faire 2 de 25. Ouais, comme ça, on a le choix. On va en faire un de 25. Celui-là, il fait 1250. C'est la moitié. Donc, si j'en mets 2... Vous voyez, c'est ça le truc. Il fait 1250 tonnes. Donc, si j'en mets 2, j'aurai une consommation de fuel de moins 25 sur 2 avec la même taille et la même puissance. Parce que la puissance ici, elle est de 2,5. Si je mets 50, j'ai 5. Voyez, donc là ça vaudrait le coup de faire un 50. Je vais le faire un 25, je vous explique pourquoi après. C'est parce que j'ai déjà fait le prototype et j'ai pas envie de le refaire et je vais avoir du mal à mettre qu'un seul réacteur. Puis c'est pas très grave de toute façon, pas très grave parce que consommation de fuel, de toute façon on est déjà à 0,18% là, donc c'est pas mal du tout. Donc là maintenant on va nommer notre réacteur. Donc on va enlever le commercial et conventionnel parce que ça on s'en moque, c'est pas important. On va lui indiquer la puissance, donc 2,5 de puissance, ça c'est bien. On va indiquer la consommation, 0,133, c'est la consommation par heure qui compte. Voilà, donc c'est des litres par heure. Et je vais indiquer aussi sa taille. Voilà, la taille c'est 1250 tonnes. Enfin, c'est son poids, quoi. Ok, donc là, on est pas mal. Tac, donc on va créer ce projet de recherche. Maintenant, il faut qu'on trouve le nom d'une compagnie.
Pareil, si vous voulez créer des compagnies dans le jeu, proposez-moi des noms de compagnies. On va prendre, voilà, on va faire Petit Castle. Castle, où on va l'appeler Power Incorporated. Ok. Create. Donc là, on vient de créer un projet de recherche pratique. Maintenant, on va aller dans la recherche et on va rechercher ça, justement. Donc là, c'est dans Power Propulsion. Et là, vous voyez, on a Power Incorporated, 2,5 EP, tac, 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 engine. Alors, ça vaut que 50, hein, c'est assez facile à chercher. Et on va mettre qui? On va mettre Elise, parce que là, ça va suffire. On va lui mettre 10, et on va créer le... Hop. Tac, voilà, elle va trouver ça le 9 septembre, donc c'est dans pas longtemps du tout. Très bien. Pendant ce temps-là, on va pouvoir mettre... Donc, il nous reste 10 laboratoires. On va mettre des recherches, notamment on a quelqu'un qui est dans les systèmes de défense ici, donc on va aller faire une petite recherche en système de défense. On va chercher les protections d'armure. On va faire crête. Ah, on va pas lui mettre les, on va lui en mettre que 9. Vous allez voir pourquoi après. Encore que non, on va en mettre 10. On va en mettre 10, ça sert à rien. On a pas mal de gens qui vont jamais faire de recherche ici. Hein. Les trois là, ils ont la même. Ah, encore que lui, on pourrait faire. Si, attendez, on va enlever un labo ici. Tac. Et on va mettre quelqu'un sur Dominique là. Dominique Amio, on va lui faire un truc en biologie. Juste parce que quelqu'un qui recherche dans son domaine peut gagner, progresser dans son bonus en fait. Donc lui, on va vouloir monter son bonus parce qu'il a 25 labs, c'est pas mal. Et il y a quand même les terraforming là. Terraforming, c'est pour faire du terraforming, comment on appelle ça? Terraformer en français, je sais pas. Parce que plus tard on va vouloir transformer les planètes pour mettre de l'oxygène, etc. C'est dans longtemps, mais autant que lui faire monter son bonus, ça mange pas beaucoup de pain. Voilà, donc là on a trois recherches en cours, une finie le 1er décembre, une finie le 10 septembre, parce que ça coûte pas grand chose, et une 1er septembre 2032. Voilà. Mais lui c'est juste surtout pour l'entraîner à rechercher. Donc c'est bon pour la recherche, l'industrie on est toujours bon, là ça progresse. Donc si on regarde notre résumé maintenant, on a 8 usines de construction spécialisées. Et du coup, notre industrie qui était de 1000 avant, elle est maintenant à 1060. Parce qu'on a 8 spécialisées et 989 non spécialisées. Donc voilà. Tac. Et en termes de mines, on est à 3. Donc le minage, on est passé de 100 à 102. Parce qu'on a 3 mines et on a encore 999 trucs normaux. Ok. C'est parti, on repart sur les tours. Tac. Le temps qui passe. Ah, on vient de finir. Ah ben, on vient de finir le moteur. Ok, très bien. Comme on a fini le moteur, on va aller faire notre premier prototype. Maintenant, on devrait être bon pour le faire. Donc, on va rouvrir l'écran de prototype. On tombe toujours sur le petit curieux. Et on va voir qu'il y a le moteur qui est apparu. Le moteur qu'on a recherché, il est là. Donc, on va en mettre, on avait dit 2. Alors, quand je mets 2 moteurs, ici, on a la vitesse. Ces deux petits moteurs, ils vont nous permettre d'aller à 71 km par seconde. Par seconde. C'est quand même pas mal, pas mal. Alors, c'est des vitesses non newtoniennes, donc c'est pas des forces. Hein. Il faut maintenir la vitesse, etc. Il y a des frottements quantiques. Donc voilà, c'est pas une accélération, c'est bien une vitesse. Voilà, donc on va bien garder nos deux petits moteurs là. Donc c'est une vitesse, c'est assez lent hein, pour le jeu. Mais c'est rapide quand même par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. On est 1er octobre 2017, dans un an et quelques par rapport au temps réel. Donc on a de l'armure, on a des boucliers, on a des senseurs, voilà, je vous raconte pas tous les trucs. Pour l'instant, alors maintenant il va falloir qu'on s'intéresse ici au deployment time. Avec ça et le fuel qu'on a aujourd'hui, on est capable de parcourir 17 billions de kilomètres. Donc des billions, c'est des milliards de kilomètres. Et on est capable de rester donc 3000 jours à pleine puissance. Waouh. Ouais, quand même. Donc là, ce qu'on va vouloir faire maintenant, c'est augmenter le nombre de mois ici. Donc ça, c'est en mois. Le nombre de mois où on peut être capable de sortir. Donc typiquement, si je mets un an, donc 12 mois, c'est-à-dire qu'il peut partir un an avant de rentrer, ça me paraît encore faible. Si je mets 10 ans, ça correspond à peu près à 10 ans. Donc si je mets 10 ans, voilà. Donc là maintenant, ce petit vaisseau-là, il peut partir 10 ans dans l'espace. Vous voyez, il monte le nombre de crew, etc. Il peut partir 10 ans dans l'espace sans problème et revenir. Voilà, donc on va partir là-dessus, je pense. Parce que... Ouais,
Parce que ça me paraît bien. Donc la vitesse a diminué légèrement parce que le poids du vaisseau augmente. Et là, on a un poids de 3650 tonnes. Voilà. Il y aura 44 personnes à l'intérieur. Voilà. Et donc maintenant, ouais, voilà. Donc là, on va partir sur ce vaisseau-là. Et je vais vous montrer maintenant le prototype du vaisseau. C'est parti. Et vous nous voici autour de la planète Terre avec le prototype du petit curieux que vous pouvez voir ici. Nous allons lui tourner autour. Donc c'est un prototype qui est à échelle légèrement réduite. Le vaisseau est plutôt petit, hein, parce que c'est quand même un vaisseau d'études. Vous voyez le poste de pilotage qui sera à l'avant. Les réacteurs sont à l'arrière. Il y a le truc d'études au-dessus qui permet de faire les études des différents astres, astéroïdes et planètes. Donc on a choisi les couleurs noir et vert. Vert pour Yoda, noir parce que c'est badass. On a les deux réacteurs à l'extérieur, une porte d'entrée qui donne sur la salle pour l'énergie. Et on va avoir la porte d'entrée sur le côté. On va aller le piloter, hein, vous allez voir. Donc là, pour l'instant, on fait le tour. On va regarder un peu la vision du dessous. Il y a deux petits réacteurs de position à l'extérieur. Voilà. On va rentrer à l'intérieur. Hop, donc là, on est en orbite autour de la planète. Donc pour info, on est dans le jeu From the Depth, qui est très très bien aussi, mais sur lequel je ferai sûrement pas de vidéo. Si ce n'est ici. Voilà, donc on va rentrer à l'intérieur, il y a un peu de clipping. C'est pas très grave. Hop. Voilà, on va refermer la porte. Et on va aller s'installer au poste de pilotage. C'est parti. Voilà, donc là on est dans le vaisseau. Et attention, on accélère. Et voilà, c'est parti. Et voilà. Et on peut piloter ce vaisseau, c'est formidable. On peut tourner un peu à là, on peut monter, on peut descendre. Hop. Donc on est en orbite et on est à fond. On s'éloigne de la base de construction. Des prototypes, hein. Là on est en orbite bas. Donc voilà la manière dont je joue à peu près le vaisseau. Donc normalement en beaucoup plus gros parce que voilà, il y aura plusieurs compartiments à l'intérieur pour l'équipage, etc. Mais en modèle réduit, ça correspond à peu près à ça pour l'instant. Voilà tel que je le vois. Les vaisseaux suivants, ils seront sûrement plus gros. Et voilà. Mais je pense qu'on respectera en termes de couleur le thème noir et vert. A priori. Voilà, bon, j'espère que ça vous plaît, ça te donne un peu une idée. Et je vous retrouve tout de suite dans Aurora. Ciao, ciao! Enfin, ciao, ciao, non, il n'y a pas de ciao, ciao. À tout de suite dans Aurora. Voilà, alors j'espère que ça vous a plu. Donc, on va faire comme ça à chaque fois qu'on désignera un nouveau vaisseau. Je l'aurai créé dans From the Depths. Enfin, j'aurai créé un prototype hein, à échelle réduite, évidemment. Et comme ça, vous pouvez vous imaginer un peu les vaisseaux quand plus tard ils parcourront l'espace. Vous aurez une vision du vaisseau tel que je le vois. Voilà, avec ses couleurs, sa décoration, ses moteurs, etc. J'espère qu'on va pouvoir faire ça pendant toute la durée de la saison. Ça va sûrement me prendre un peu plus de temps à faire les épisodes de ce point de vue-là, parce que mine de rien, il faut que je les construise. Et en plus, qu'ils volent. Qu'ils volent dans le jeu. Mais voilà, je pense que c'est sympa et c'est un peu original. Ça me plaît. Si ça me plaît, ça vous plaît. J'espère. En tout cas, si ça me plaît, je le fais bien. Donc voilà. Donc voilà, donc on a désigné notre petit vaisseau ici. Alors le problème qu'on va avoir maintenant, voyez-vous, c'est que on va vouloir construire ce vaisseau, mais on n'a rien pour le construire en fait. Et c'est là qu'on se rend compte que on a oublié de construire notre complexe. Alors, on a oublié de construire notre qu'on appelle ça? Shipyard. Notre installation interplanétaire orbitale de construction. Notre usine orbitale. Qui coûte 2400, c'est-à-dire pas mal du tout. Pas mal du tout. Alors, en termes de minage, on a des manques sur tout parce que on mine pas assez. Bon, on va pas pouvoir le faire tout de suite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que ça finisse. Par contre, on va sûrement la faire avant l'académie militaire. Donc, on va créer le projet.
Alors maintenant la question c'est est-ce que je la fais commerciale ou navale? Alors on va vérifier notre vaisseau. Notre petit design du vaisseau, est-ce qu'il est commercial ou naval? Il est commercial. Ok, donc on peut faire un truc commercial. Ça suffira. Donc on va retourner ici. Surtout qu'on n'a pas besoin de trop de militaires pour l'instant. Hop, alors quand je clique là et que ça marche pas, c'est parce que j'ai déjà l'écran ouvert, que j'ai juste que fait de que le descendre. Donc on va créer le projet de faire une voilà, un complexe commercial. On va en avoir un. Et on va le mettre à 30%. Tac. Et on va monter sa priorité. Voilà, on va le mettre en premier. Donc dès que les mines finiront là, on ira, sachant que ça va être fini en 2023. C'est quand même dans longtemps. Mais ça va s'accélérer, ça, parce que plus la construction ici va vite, plus ça va s'accélérer en fait. D'ailleurs, ici en termes de stockpile, on est un peu léger. Ouais, notamment sur l'uranium, là on a du mal. Du coup, je me demande s'il ne faut pas que je change mes priorités. Il faut peut-être que je vais augmenter la priorité de la mine. Voilà, on va faire ça. Ah oui, non, d'abord il faut que je baisse l'autre. On va mettre celui-là à 40. Et on va mettre celui-là à 60. Voilà, on va faire ça comme ça. De manière à ce qu'on progresse sur le minage plus vite. Ok, c'est parti. En fait, je dis c'est parti, mais je pense qu'on va faire une coupure ici. L'épisode doit déjà être relativement long. J'espère que ça vous plaît. J'espère que vous allez aimer cette association entre voilà, ce jeu hyper complet, hyper profond, mais avec un affichage relativement restreint. Et voilà, le prototypage des vaisseaux qui, lui, est beaucoup moins profond, mais avec un affichage beaucoup plus sympa. Et que l'association des deux, je pense, va faire une bonne combinaison. Voilà, donc dites-moi vos avis, n'hésitez pas. Bah, j'espère que ça va vous plaire. Sinon, je jouerai tout seul sans... Mais voilà, j'aime bien vous faire participer quand un jeu me plaît vraiment beaucoup. J'aime bien vous faire participer. Si vous avez joué Aurora et que vous connaissez des choses, n'hésitez pas à donner des petits conseils aussi. J'ai un petit plan de savoir comment je vais faire dans l'avenir. Mais je suis comme d'habitude ouvert à vos suggestions. Voilà, et puis donc encore une fois, commentaires, les pouces bleus, vous voyez, j'ai dit bleu, j'ai pas dit vert. Pareil, ça fait toujours plaisir. Vous voyez, là, il y a beaucoup d'astéroïdes bleus. S'il pouvait y avoir autant de pouces bleus, ce serait génial. Et sur ce, bah, je suis content de vous avoir retrouvé. Et bah, je vous dis à bientôt. Allez, bisous, bisous. Vous avez aimé cette vidéo? Retrouvez la série ici et dans la description de l'épisode. N'hésitez pas à m'encourager avec un pouce bleu et un gentil commentaire. À bientôt pour de nouvelles aventures.